Bah, on a eu un magnifique Blue Script of the Death pour l'anniversaire de Windows 10. Hein. Faites les mises à jour Windows. Non, je suis mauvaise langue. Pas de peau, ça a planté, donc on va repartir tranquillement. Donc ce sera Fusen contre Masta sur le stream dans quelques instants. Le top 3 quoi ? Le top 3 est en FT3 ? Bah écoute, je ne sais pas. Probablement. On n'a qu'à faire comme ça. Ça risque d'être un peu long cela dit, je te mettrai que la finale moi. En même temps, donc ça va être du FT3 pour la Finner, la Winner Finner, la Loser, j'y arrive plus, la Finale Loser, le Loser. Donc pour le top 3, ça va être en FT3. Voilà. Crunchy. On les joue en 3 matchs. Donc ça fait la finale leader, la finale loser et la grand final. Sauf que la grand final, vu qu'il y a reset, s'il y a reset en grand final, là ça peut aller très loin. C'est pour ça que ça m'inquiète un peu. Mais bon. À la rigueur, ça mettra un peu de hype et puis nous on rentrera plus tard quoi. Bon, en revanche. Donc pour ceux qui veulent regarder du Guilty Gear, pour ceux qui aient des spectateurs sur le stream, c'est pas encore lancé. On avance un peu sur Mortal Kombat, puis ensuite, on lancera Guilty Gear, peut-être en background, probablement pas direct sur le stream, mais voilà, il y en aura aussi. Tu parles mal de Persona. Basta. Tu parles trop mal de Persona. Hein? Génial. Persona 4, Arena 2, Ultimax, Holding, je l'ai pas. Multi, c'est. J'ai pas tâté. Je peux pas parler. Fight! Donc vous avez au reset ce soir les deux seuls fans absolus de Stadium. Bon, j'en connais deux trois autres, hein, cela dit, mais je donnerai pas de nom. Eh bien, t'as qu'à faire un rage-cut. Bizarre. I don't know if Dante and Cat are still there, but let's go. Alors là, on a Masta qui joue Quan Chi. On a derrière, on a Fusen qui joue Scorpion. On a voulu faire l'arnaque Day One, mais Masta l'a connu bien évidemment. Ça part derrière avec la transe, viens par ici. Donc,
donc c'est droppé derrière, bien sûr il est trop loin pour faire combo. Donc il y a 3 CP qui va récupérer 2-1 avec le spire démoniaque qui vient juste seul. Il chope les jambes et ça part directement. Il faut le skin en TP dans la gare, c'est puni. Non, même pas, ça punit pas, ça chope. On voit que Mastas touche le front, il revient du travail, là il est pas très en forme. On a la transe derrière. C'est breaké directement par Fusen. Il ne peut pas subir le pressing de Quan Chi. Lui c'est unsafe, c'est bon à l'infini. Et là ça punit, normalement il peut tuer, s'il remet dans le corner avec le pressing. Un restand, il tape dans la garde, non il a voulu choper Obvious. Il s'est fait un D2, il tape derrière unsafe. Et les runes ex viennent tuer Fusen sur une mauvaise décision de sa part. Il aurait dû taper au lieu de chop, car la chop était trop visible. Alors on rappelle que le Quan Chi c'est Yuzu Masta. Et le scorpion c'est Opif Fusen. Donc la team Opif, pour ceux qui jouent un peu à Street, vous pouvez voir Opif Lordrax souvent dans les rankings. Il est pas mal. Enfin dans les rankings du Reset Bar, pardon. Même il a même fait les rankings du Meltdown. Il a fait des top 8 et tout, c'est vraiment sympa. Il est pas mal leur team. Non, Yuzu Masta l'autre. Round 1, fight. Donc là on a le début du deuxième match. Donc c'est bien trouvé directement petit Jimmy qui esquive le D4 avec le Doret de la France. Ça confirme derrière, ça renvoie dans le corner, 24%. Est-ce que ça va zoner? Non mais ça c'est pour la TPX nature. Ça prend les TPX nature désormais. On passe en mode online là. Avec le lag du début. TP encore une fois, down 2 from downtown. Là, on est directement dans le corner avec le shop, on va se retrouver le meeting. L'overhead du village qui est safe quand il prend son élan. 1, 2, l'autre vient trouver. Non, il y a MGP qui n'est pas trouvé. Il y a les F2 de Fusen qui passe dans le vent. Directement la chope par les jambes, l'overhead qui vient trouver. Une autre chope par exemple qui remet de notre côté. Encore un overhead. C'est le Mukubinisme à l'infini. C'est une Fusen qui fait pas trop content. C'est ça. Et Masta qui vient assommer Fusen pour avoir cette chance dans cette balle de match. NGP. Donc là il y a Mad, vu que je suis Mad, top tier Injustice, Harley Quinn qui nous rejoint en micro, qui vient reprendre son micro. Qui vient de prendre sa PC face à Yuzu Shindoa 2-0, enfin éliminé de ce tournoi. Vas-y, fais-moi un topo, on en est où? Là, il pourra désormais rester au commentaire avec vous. Donc là il y a balle de match pour Masta actuellement qui joue Quan Chi Warlock, contre un Fusen qui a counter pick, qui jouait Pyroman avant ça. Inferno donc qui est passé sur Ninjutsu. Là c'est TX qui vient prendre directement. La balayette de hit. Ça joue en pause et en shop du côté de Fusen. Toujours ce style de jeu un petit peu particulier à la chaîne Nebula hein, qui n'aura pas trouvé son adversaire. Et la transe du Roumain mon gars. Et viens. X-ray. Coup de cymbale. Il refait sa boîte crânienne. Téléportation. Écrasement de tête. Ah oui on a... C'est un émeutier. Ah oui là on a une victime Fatality. D'origine asiatique. Ça regarde les Fatality. Ça regarde les Fatality mon gars. Ça connaît pas les manips de Fatality. Ça connaît pas les Fatality, ça rate en plus. Putain ça le jeu a 3 ans Masta. Et ça foire les Fatality. Et ça finit sur une faction kill du pauvre. Parce qu'il ne sait pas faire une Fatality. Honteux. Top c'est player honteux. FR. Voici les nouveaux top player FR. Et le mec dit qu'il fait partie de la meilleure équipe de France. Oh putain c'est honteux. Il est en intérim là je pense. Il va se faire virer bientôt. Eh ce soir réunion. Réunion ce soir, Masta. Je crois que tu vas te faire virer de ton équipe. Réunion ce soir, tu vas te faire virer de ton équipe. Franchement, ramène ton CV parce que tu vas en avoir besoin. Ah ouais, là, tu vas finir au placard, c'est sûr. Tu vas servir les cafés pour la Yuzu Team, je pense. On attend la suite du programme. Masta, on a Masta contre Shindoa. Voilà, installons-nous. Installons-nous dans les fauteuils confortables du Reset Bar. Hop. Ah, il n'y avait pas beaucoup d'instants. Non, parce que la finale winner, elle n'a pas été jouée. Donc là, c'est l'avant-dernière round de loser. Donc c'est F2 là.
Donc là on a le ouais, on a le round 4 des losers, c'est le round 4 des losers. Kongji. Ouais, c'est ça. Donc on a les losers demi là entre gros classico, hein, Yuzu Shindoa contre Yuzumasta. Deux grands joueurs français qui ont représenté les couleurs à l'étranger cette année sur ce jeu. Ouais. Ils ont beaucoup bougé. Ils ont beaucoup voyagé. Ouais. La Shindoa qui a fait la DreamHack Suède, le Red Fight District Amsterdam, l'AFK Rotterdam, le Fatal Kings Amsterdam aussi. Et les deux, ils jouent craqué. Ouais. Non. Ouais. Ils jouent pas craqué, non. Voilà. Bon, soyons un peu sérieux. C'est un button check, c'est un quoi? Parce qu'à vous, avec vous, on sait jamais. Ok, c'est un button check. On sait jamais, les gars. C'est bon, ils ont mis. T'as des button check, les mecs, ils testent les combos 47%. Ils ont mis 4 coups dans le vide, on va dire que c'est un button check. Allez, c'est oh là là, Masta qui rush quit le round. Masta qui rush quit. Mon dieu, il est disqualifié. Et allez, ça commence tout de suite. Et voilà, il prend des petits Xena la guerrière dans les jambes. Le petit chakram dans les jambes. Aïe, il tente un dive kick double hit, mais ça passe pas, c'est bien gardé de la part de Shindoa. Bowling, Xena la guerrière d'un côté, bowling de l'autre. Ça ne touche pas. Ça y est, ouverture de garde pour Shindoa qui se breakait tout de suite. Ça joue au bowling, ça active des armors. Ça jette les Xena la guerrière, mais ça n'arrive pas à s'approcher. Pauvre Gennaro, il est bloqué. Il n'arrive pas à s'approcher, pourtant il devrait avoir l'avantage au zoning. Il a peut-être pas pris la bonne variation. Il se fait ouvrir. Le combo, il est dans le corner. Activation de l'armor de la part de Shindoa. Masta qui réussit à sortir du corner. Qui est pas trouvé. Ah non, position, hein, ça trouve pas, ça touche la garde. Ah, ce jump-in bien vu, bien entier de la part de Masta. Oh, Inex Overhead s'est breaké avant le hit qui tue, c'est bien vu. Dragon kick. Ah le ouais, le dragon kick qui tue, le flying kick qui tue. C'est ça, directement, on a là l'interaction d'objet de la part de Masta, qui connaît très bien son décor. Ça touche derrière avec l'overhead. Ce petit coup de pied qu'il a trouvé, je pense que Shindoa ne s'y attendait pas. On a le F2, bien sûr, quand Shindoa a raté F1 que ça sort. L'armor qui est trouvé, ça convertit derrière avec lui, il confirme. Ça remet l'armor directement. DD4, là, ce pouce au sol, Earthquake, bien trouvé. Un jump raté de la part de Masta, mais c'est pas fini, mais ça le couvert directement avec le jump pin F1-2, overhead. Ça ramène dans le corner avec le BMB classique. Ça met l'armor, setup. Oui, ça continue du bon pressing dans la gare, ça cherche les gars, l'overhead c'est unsafe. Grâce à l'armor, il a pu ne pas être puni. Ça aussi c'est unsafe, ah, encore une fois, ce n'est pas puni de la part de Masta. Donc là, dead kick qui vient trouver Shindoa, ça confirme. Hey. 26%, Michi. Oui, ça confirme. Et ça tue. Première victoire pour Yuzu Masta. Oui, donc 1-0 pour Yuzu Masta, qui joue contre son coach, hein, le coach de la team Yuzu. Pas de counter pick, ni de stage, ni de perso, ça reste sur les mêmes persos, les mêmes variations. Il fait trembler la terre, il empêche toujours Masta de s'approcher. Hein. Il veut pas le cas pour le moment. Ouverture de garde de la part de Masta. Et allez, ça lance les prismes lunaires. Bien vu ça. On se rapprochait tout de suite, malheureusement elle est vite renvoyée à l'autre bout de l'écran. C'est un Shin hein, qui fait tout pour éviter le cac dans son armor d'actif. Dommage, il prend quand même cet overhead, il se retrouve au sol. Tu backdash le Tarzan de la part de Tremor qui attend d'activer son armor. Le cross-up qui n'a pas touché. L'avantage au pressing pour le moment pour Masta, voilà, qui trouve ouverture de garde mais qui se break et tout de suite avantage à l'énergie pour down Shin. Two from downtown. Qui termine sur cette anti-air bien sûr. Bien trouvé de la part de Shindoa qui va montrer qu'il est toujours totalement présent dans cette loser semi. Il n'est pas là pour déconner. Donc là ça trouve derrière directement avec le confirme, c'est breaké par Masta. On a un petit zoning de la part de Shindoa qui met l'armure de cristal, qui touche dans le jumping, qui n'arrive pas à confirmer, c'est vraiment dommage, il aurait pu faire bon dégâts là-dessus. Et là ça trouve le R3 directement, ça remet l'armure, oui c'est punissable. Et oui c'est punissable. Parce que le recover est diminué en fait quand il est prêt à faire l'armure en hit. Ça met l'armure, 26% tranquillement, ça va zoner. La chop, non bien sûr, ça éclate d'abord l'armure aussi. F1-2, DB2, ça remet armure, là Shindo est totalement présent. C'était avec armure et ça vient tuer. Un partout, dernier match. Ah voilà, gros round, gros fight de la part de Shindo qui a bien géré ses fast cac et ses fast zoning. Et là il se fait ouvrir bêtement par cette dive kick full screen. C'est honteux Kungjin, c'est honteux. Ah bien vu cet armor, malheureusement ça whiff. Kungjin se retrouve dans le corner, la déchoppe de la part de Shindo, c'est très bien vu. Allez, faut pas qu'il sorte du corner. Tu le tiens, tu le zones et tu l'empêches de t'approcher. Voilà, fait trembler le sol. Voilà, Crystal Wall. Attention, bien vu de la part de Shin, hein. Bien puni, ouverture, et là c'est full combo. 28%, activation du Crystal Wall encore. Qui permet d'encaisser un hit. Et encore Crystal Wall, il a tout le temps du monde pour activer son armor. Il prend overhead bêtement, ça fait 2 hits, hein, donc ça pète son armor. Bien vu, neutral jump, cross down, et le petit combo pour l'entraîner dans le corner. Allez, il peut tuer. Non, dommage, il a raté son occasion.
C'est cruel. Il NGP. Prend le Fall Jump. Il est full combo NGP. Et c'est terminé. Et le retour de Yuzumasta. Terminé. Sauf une balle de match pour ce match. Ah, le comeback de Masta. Gros comeback de Masta qui s'offre un match point parce qu'on s'attendait pas. Et là directement sous doigt qui fait ce pattern qui veut montrer qu'il est encore présent. Ça va partir comme être le BND classique pour ramener notre ami Masta vers le corner. Petit zoning de la part de Shindoa. BF4, BF2, ça trade, il remet l'armure de cristal. Ça continue directement avec un petit string qui est safe, qui a overhead derrière à la fin. C'est breaké sur un petit confirme aérien qui était pas mal sur le juggle de Masta. Ça a été directement breaké là, la dead kick active un toucher ensuite avec le NGP. BNB qui ramène dans le corner, on a 26% tranquillement inscrit à Michi. Oui, ça pète l'armor, ça continue derrière avec un low chakram X, ça ramène dans le corner, ça reset avec l'overhead. Et c'est droppé sur la fin, la chop qui est bien contrée par Shindo avec un petit duck tranquillement. Faut lui rendre son comeback là. Là faut comeback là, si comeback pas ça va être dur. Et oui, bien trouvé l'ouverture par Shindo. Just do it. Just do it. Just do it, on a deux Yuzo au final qui est en train de s'enfoncer. Just do it. Et ça remonte. Oui. Ça remonte. Match point des deux oui. côtés. Il est présent Shindo, il est présent. Make your dream come true, just do it. Just do it, dog. Just do it. Et allez, bon bah just do it, bon maintenant il a comeback, il faut confirmer parce que pour le moment là il se fait ouvrir, overhead, le low, prisme lunaire qui fait double hit, c'est vrai qu'il est de la part de Shindo qui a le temps d'activer son armor, dommage ce string là il passe sous le Kungjin, ça whiff complètement, aïe 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 là le retard à l'énergie est trop cruel, hein. J'ai envie d'y croire mais ça va être très compliqué, le juggle qui est pas confirmé, le concept qui touche là il y a combo, bien, oui, il le met en crossdown du corner, dans le corner pardon. Allez faut pas le lâcher, Lolo, allez tu peux le faire. Oh, aïe aïe aïe, il prend bête pour le cap. Lolo qui touche, là il y a combo. Oh non il drop. Tu veux pas dropper ça. Breaké. Breaké de la part de Masta. Aïe. Non c'est cruel. Entière de Masta. Le mec nous fait rêver. De Masta qui va trouver l'ouverture. Le mec nous fait rêver, il perd bêtement. Non. GG aux deux Yuzu, présents sur le stream actuellement. Yuzumasta, Yuzu Shindoa, très très gros match. Non. I can't believe this. Il avait juste à le faire. We can try to do this the American way if yeah, you want, American man. Way, though. It's so sad that Shindoa don't make it. You know, he made a beautiful comeback. He made his dream come true, you know. But he can confirm his dream. Masta was a dream breaker. He was like the alarm clock of Shindo. Mais bon, bref, arrêtons. Arrêtons the American way. Pendant que ça parle technique, ils sont en train de discuter OBS, sont en train de discuter matériel de stream. Et pendant ce temps, nous n'avons pas de match. C'est quand même honteux. Est-ce qu'on pourrait enchaîner, s'il vous plaît? Et du coup, j'ai deux micros dans les mains, mais je ne sais pas à quoi ça va me servir. Je n'ai pas vu sur le chat, hein, donc je ne sais pas si les gens me parlent. Je ne sais pas si vous êtes, si vous êtes là, quelques membres fidèles. Sachez que si vous êtes là, je vous embrasse. Je vous aime. Les joueurs sont installés. Yuzu Ganon contre Yuzu Riza. Si je ne m'abuse, c'est la winner finale. C'est donc la winner finale. J'ai entendu dire que Ganon il avait pris 10-1 il n'y a pas longtemps. Ouais. Je l'ai vu sur YouTube. Je l'ai vu sur YouTube, je crois. Parce que c'était un peu un film porno le truc. Ah ouais, je dirais même un peu robotique avec un peu de mecha, un petit peu de cyber Sub-Zero. Brrra. RZA prend cyber Sub-Zero. Non, cyber Sub-Zero, la foule veut voir cyber Sub-Zero. Je sais pas, je vois pas le chat. Je m'en fous, je fais le spectacle pour moi-même, je me fais kiffer. Je suis assez égocentrique pour m'aimer assez pour commenter pour moi-même. Ouais, il faut être autosuffisant.
Si je pouvais, je parlerais à la troisième personne, mais je sais pas, les gens trouvent ça bizarre. Ouais. Et du coup, pas de Cyber Sub-Zero, je suis déçu. Très mort. Très mort, Cristaline contre Raiden, le dieu de la guerre. Wouhou! Et on a, nous avons des clients qui chantent! Wouhou! Fight! Aïe! Je veux faire un petit rock band. Est-ce que je peux faire un rock band pendant ce moment? Damn! Damn! Moi, je peux commencer le match de FIFA, quand même. Button check. Button check terminé. Raiden, Thunder God. Ganon contre Riza, très mort, cristallin, et ça commence, il tape au sol et direct patate de courant qui ouvre sur un petit combo 21%. Le setup avec le projectile pour garder l'avantage au pressing, il n'arrive pas à sortir du coin, si ça y est, l'ATP qui permet à Ganon de sortir du coin. La chop, c'est bien vu, Ganon aime beaucoup les chops. Activation de la Crystal Wall pour très mort, le cross-up qui touche, c'est breaké tout de suite de la part de Ganon. Même temps qu'il a encore son armor, il s'aggrate avec les éclairs de la force. Malheureusement, ça ne fait que gratter, hein. La garde de Riza est solide. Et là, ça whiff complètement et c'est puni tout de suite de la part de Riza. Ah, Riza, il laisse rien passer. Petit combo à 29%. Avec l'activation de l'armor à la fin. Patate de forain, ça s'est gardé. De la part de Raiden, malheureusement, cette ouverture de garde sera le glas pour lui. Cette petite pierre envoyée par la Palestine aura raison de la garde de Raiden. Il serait mort en hit, il serait mort en garde. Je rappelle que tous les coups grattent dans Mortal Kombat. Superman Punch! Allez, la volée! Il est chaud depuis la Super Nintendo, Raiden. Il est chaud! La garde toujours solide de la part de Tremor. Il punit bien, mais c'est vrai que de la part de Raiden. Réouverture de garde nature pour Riza. Qui fait plaisir pour le moment. Voilà, bien puni de la part de Raiden. Il commence à se réveiller. Le petit run cancel qui touche avec le. Allez, la volée! À la fin! Oui! Il est chaud! La chop qui whiff et c'est pas puni de la part de Ganon. Évidemment, évidemment que c'est pas puni de la part de Ganon. Parce qu'il connaît pas ses distances, mec. Mais oui, c'est honteux d'avoir un tel niveau de jeu et de rater ce genre de choses, Ganon. Tu vaux mieux que ça. Je t'ai vu faire mieux que ça. 1-0 pour Tremor. Ganon, ressaisis-toi, s'il te plaît. Oui, excusez-moi, on me reproche de hurler sur ce pauvre Ganon, mais je veux qu'il sorte le meilleur de lui-même. Au moment, il encaisse, mais il a une garde solide. Dommage, c'est une torpoke. Wouhou, la chope de la part de Raiden. Désolé, il y a Rock Band derrière et je ne peux pas me concentrer. Wouhou. Vas-y, Raiden, en profite pour se réveiller. Non, il se fait breaker. Bien contré ce jumping et c'est puni tout de suite de la part de Riza qui combat et qui fait cross-down et qui renferme Raiden dans le corner. Avantage à la vie pour Yuzu. Riza, bien vu ce combo. Allez, la balle qui enferme Tremor dans le coin et là faut tout donner. Allez, Super Saiyan électrique là, c'est Super Saiyan 2 Gohan. Youhou, fais le show Ganon, fais le show. Oui Ganon, oui la chape, tu l'es chopé, non. Allez Ganon, les lave-linges, oui Ganon. Round two, fight. Ganon qui fait le comeback, il est chaud. Voilà, il est moins chaud, hein. Il prend l'eau, il prend neutral jump et il prend cross-down. Ils sont tous dans le corner. Calmons-nous et reprenons ce mental combat. Raté. C'est ouverture de garde de la part de Tremor. Le petit combo en corner. Activation de l'armor en fin de phase qui permet encore à son ordre de remettre une ouverture. C'est un viol. Excusez-moi, on n'a pas le droit de dire ce genre de choses. C'est une correction, c'est une fessée, c'est une humiliation. Quasi perfect pour Riza. J'aimerais chanter moi aussi avec les gens, bordel. C'est pas juste. Bon, bah on en est où? Un round partout, hein. C'est déjà peut-être la fin pour Ganon, qui se fait ouvrir bêtement et qui se retrouve enfermé en corner une nouvelle fois. Et là, Ganon hein, qui subit, mais il a ses 3 barres. Et on sait que Ganon, il aime bien les X-Ray. Rien n'est perdu. Il y a à peine 50% de retard. Je rappelle que dans MK, ça peut aller très vite. Ça a zoomé de côté. Malheureusement, c'est un avantage de très mort pour le moment. Ça tape en garde, il tombe de toute leur faute pour l'armor.
il veut faire de la force avec la TP. La chope, mais c'est déchopé, il connaît, Riza, il connaît ses phases, il connaît ses phases. Allez, bien vu, allez, donne tout, balance ton X-Ray, t'as plus le choix, bébé. Les combos, run cancel, dommage, ça finit dans la garde. Il y a tout du coup de vie, et le cross-up qui whiff. Le cross-up qui whiff et qui se fait toucher par cette entière. 2-0 pour Riza. Ah oui, nous sommes en final winner, hein, donc il faut faire first to three. Dommage, hein, je rappelle que Galon est quand même mort avec toutes ses barres, il avait de la ressource. Il avait de la ressource, redonnons un peu sérieux. Je pense que Galon a du mal à imposer son jeu, et surtout Riza connaît très bien la méthode de jouer de Galon. C'est difficile pour lui de surprendre son adversaire. Petit combo 25% avec activation de l'armor. Eden a encore une fois toutes ses barres. Pour en faire quelque chose, là pour en faire quelque chose, il prend le combo 30%. Au niveau de la vie, ils sont à peu près égalité. Un petit avantage pour Tremor qui commence à le creuser, là c'est cruel. Le comeback est pas impossible, mais là, non, ouverture de garde avec la shop pour terminer. Bien vu, hein, vous avez vu cette petite ouverture de garde. Petit combo qui fait launcher, la run, shop, franchement. Pour la part de Lisa. N'est pas meilleur Tremor d'Europe, qui veut. Là, on commence par un petit festival, hein, déjà pratiquement 50% de la barre de vie qui ont sauté. C'est difficile, aïe 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 aïe, tu pouvais le finir là et t'as juste mis un jab. C'était ça ta punition, un jab, un. Voilà, j'ai même pas envie de commenter ce que je vois. Et là, voilà, pif time, voilà, on me l'a soufflé. On me l'a soufflé celle-là, pif time. 3-0 pour Galon, Yuzu Riza. Dommage de la part de Galon, hein, qui. Dommage qui a fait un beau parcours, mais là qui n'a pas réussi vraiment à imposer son style, à surprendre son adversaire. Sachant que Riza et Galon ont l'habitude de jouer ensemble. Il aurait peut-être dû essayer de le surprendre plutôt que de mettre son game plan habituel. C'est ça le problème de Galon, moi je pense, c'est qu'il a un game plan qui est efficace, mais une fois que tu comprends son game plan, une fois que tu le connais, il ne te surprend plus. Et je pense qu'il n'a pas réussi à surprendre Riza. Mais vu que mon ami Riza est de retour et qu'il est à micro, oui, je suis de retour, il pourra peut-être nous le dire. Je suis de retour en microphone. Peux-tu débriefer un petit peu ce 3-0 Bah écoutez, Ganondorf, on est teammate. Teammate. Donc on joue beaucoup ensemble, je connais son jeu, il connaît mon jeu. Et voilà, il le connaît. Bah actuellement, voilà, sur le neutral game, j'ai un peu plus d'initiative et de meilleurs choix, on va dire, entre guillemets. Je pense que c'est ça qui m'a fait gagner. Et oui. Il n'a pas démérité, Ganondorf, il joue toujours. Hein. Ah non, il démérite la pas. La progression est là. On a senti qu'il y avait une grosse connaissance du style de jeu de ton côté. Ouais. Et je pense que c'est ça qu'il a vraiment mis dedans. Ouais, on a dû faire au moins... On a dû jouer 400 fois ce match-up, Tremor Raiden. 400-500 fois, vraiment on a beaucoup joué ensemble. C'est pour ça que je disais à partir de là, peut-être qu'il aurait fallu que Galon mette une petite touche de fantaisie dans son jeu. La fantaisie ça peut être bien. Ah, pour essayer de surprendre. Ouais, ça tu peux surprendre. Il faut voir si ce que tu vas prendre, le mec il connaît pas aussi le match-up. Parce que s'il essaie de me surprendre avec un truc que je connais, c'est un peu difficile. C'est sûr. Et là, le match. Commencé. Ah, allez, commençons, soyons fous. Ouverture de garde pour Raiden, pour Ganon. Hein, donc, je rappelle, hein, nous avons Yuzu Ganon, Raiden contre Opi. N'importe quoi, contre Yuzu Masta. Mais j'ai vu un scorpion et je me suis dit Fusen. Mais non, c'est pas lui. C'est Yuzu Masta. On a un top 4 totalement Yuzu sur ce tournoi. Ah oui, la top 4. Full Yuzu, la chaîne nébulaire de Masta. Qui ramène Ganon à lui avec Overhead. Slide sponsorisé par lui, il est fou. Les éclairs de la force qui touchent, pas de limite à son pouvoir. Sa zone là, il tente une run, c'est bien gardé de la part de Masta. Masta qui nous sort un petit scorpion ninjutsu. Pour le moment ça n'a pas l'air de payer des masses, mais il avait sûrement une idée en tête. La run cancel, cette fois c'est bien fait de la part de Ganon, il a un gros avantage à l'énergie et il tient Masta dans le coin et ça peut tuer en gratte. Hein. Gros dégâts au grattage de la part de Raiden. Ouverture de garde sur le double coup de katana. Deux scorpions, malheureusement il n'y a pas eu de confirmation derrière ça, il perd au counter-show, c'est cruel, mais c'est le jeu, un round pour Ganon. Fight.
1-0 sur le premier round, pardon. Et sur le premier match, sur le premier round, donc c'est, on est en FT3, on a Masta qui nous a pris un premier pic en Jujutsu, je pense qu'il aurait dû commencer sur le coup, on va voir si ça paye ce qu'il a décidé de faire. Son F2 qui est directement breaké par Ganondorf, qui est bloqué, bloqué par le système permanent directement. On a le 15% peut-être suivi de bon outil. Oui, ça repart et c'est breaké. C'est breaké directement. Il passe des regards, c'était limitable, mais ça a été chopé, c'est toujours bien. On a la Doken qui est trouvée. Ça balance des objets, c'est des émeutes ici, on a déjà dit. La Spear qui est unset full screen sur le plongeon de Raiden. Il a une shot de Spartan qui est directement derrière avec une DP cancel 1-1, ce n'est pas possible. On a la shot qui continue comme ça, on a notre ami avec 12%. 2-1-2. Dernier coup, c'est l'overhead. C'est à trouver notre ami Ganondorf. Encore une shop, on a Masta qui joue beaucoup maintenant sur la shop et le conditionnement. Le F2 qui finit. Oh, le NGP qui whiff. 1-4 qui est safe, 1-2 et ça ressort directement. Il y a une bonne gestion là des deux côtés là. Encore une chose à part de Masta, c'est la cinquième du match. Il devrait jouer des personnes top 2. On rappelle, c'est dans Street, il joue Zangief en jeu. Un tout petit peu. Un petit peu alors. Sauf que c'est chopé ce premier match, je vais à Ganondorf. Ouais. Il joue Zangief en counterpick, ouais, de son bison M. Bison. Non, on en est où là? Donc 1-0 pour Ganon et il y a peu de counter pick, ni de stage, ni de perso, ni de variation, ça continue tout de suite. Et là, on a une petite agression à coup de 1 hit des deux côtés. Ouverture de garde pour Ganon, c'est tout de suite breaké de la part de Masta. Ça se cherche au footy et finalement ouverture de garde. Allez pour Ganon avec un petit. Superman de Raiden qui envoie Scorpion dans le corner et qui pour le moment subit complètement la pression. Au niveau de la vie, ils sont égalités tous les deux. Hein. Pas de quoi paniquer. Raiden a toutes ses ressources. Il vient d'utiliser pour un breaker. Hein. C'était judicieux, je pense. Et il trouve l'ouverture de garde là-dessus. Le run qui touche avec double raid. Bien vu, Shop EX. C'est violent, Ganon. Ça y est, il s'est réveillé. Il est là, il est passé en Super Saiyajin 2. Propre. J'aimerais dire 44% avec Kristen, c'est chaud. Les persos sont forts ici. Surtout cette connaissance de la distance. Là, rigole, ok. Deuxième round qui est parti. Hein. Il y a Ganon qui s'offre une balle de 2-0. C'est breaké directement. Interaction d'objet. Il a balancé la mamie sur Masta sans respect. Down 2 from downtown, trouvé directement. Strive to Taparis. Ça part directement avec un jump 3 suivi d'une TP 2 inspire. Les BNB, c'est parti avec Masta. Est-ce qu'il va jouer sur Kristen? Kristen Pox, c'était pas trop une bonne idée. Donc il s'est fait ouvrir derrière, ça a dû breaker. Le plongeon qui vient ramener Masta dans le corner, ce n'est pas là où tu veux être. Jump 3 TP encore, c'est breaké de l'autre côté. Ils sont un tech-deco au niveau du metteur. Même Masta, une barre de metteur en plus. On a un petit jeu de Metal Game qui est remporté par Ganondorf. Qui peut replacer directement Masta dans le corner. Ça va continuer avec Limit, Run Cancel Top. Overhead, pouf, cancelé directement par le Shocker. Le Shocker, excusez-moi. Down 2 from downside de l'autre côté. Et ça repart avec un plongeon. J'ai trouvé directement le 50-50 feu comme l'ouverture. TP cancel, c'est parti pour Masta. Ça rate pas la punition. Le comeback. Down 2. Oh. Down 2. Down 2. c'est en 3. Ouais, restez à 2-0. Assis, c'est en 3. C'est en 3. Est-ce que nous avons le droit à un counter pick? Eh ben là, 2-0 pour Yuzu Ganon. Et ça y est, c'est le counter pick, le Green Arrow Gate. Counter pick. Et je ne dis pas ça pour être désobligeant, hein. Je rappelle que Kung Jin est effectivement gay dans la story MKX. Hein. C'est complètement assumé, c'était complètement voulu, il n'y a aucun mal à ça. N'allez pas dire que je dis des choses désobligeantes. Round one, fight. C'est parti, Kung Jin et son long bâton. Contre. Quoi, il a un long bâton, regarde cette range sur cette overhead. Il fait rien, regarde ça. Non, bref, Kung Jin et son bâton, qui est le counter pick de Masta contre le Raiden de Ganon. Va-t-il pouvoir faire le comeback? Je te rappelle qu'il a déjà 2-0, qu'il a 2-0 pour Ganon. Et là, ça va être compliqué. Toujours à l'erreur de la part de Masta. Pour le moment, il arrive à tenir son adversaire en corner. Mais il prend Shop qui inverse les positions. Et quand tu wake up, ça passe pas. C'est complètement puni. Le run cancel avec overhead. Re-overhead. Le petit shocker. Ça touche. Le run cancel encore qui passe. 44%. Et tu te prends un petit coup de défibrillateur. Histoire de te calmer. Balle de match hein, déjà pour Ganon. Souviens-toi l'été dernier, quand tu piffais les wake-up, j'étais là. Mais visiblement, Raiden s'en fout complètement et il assume. Le cross-up c'est gardé. L'overhead ça passe. Allez, il tente une interaction Raiden. Ça ne paye pas. Bien vu, hein, il connaît bien ses distances Masta. Malheureusement, c'est tout de suite fini.
par Raiden. Le petit Superman pour enfermer le machin au coin, breaké. Au niveau de la vie, ça fait pas égalité, hein. Leur endurance est en train de se restaurer, ça y est. Avantage pour Raiden au niveau de la vie et des ressources. Lolo qui touche. Aïe aïe aïe, non, là ça va être compliqué de la part de pour Masta, pardon. Il reprend bêtement ça, heureusement qu'il a pas pris le deuxième, hein. Ça aurait pu sonner à la fin pour lui. Il trouve l'ouverture. Allez, faut pas dropper, faut tout mettre. Faut tout mettre. Il a tenté une phase, oui, petit peu surpris qui touche l'overhead, qui trouve l'ouverture, qui lui permet de choper ce round. Toujours balle de maté pour Ganon. Je rappelle que Masta n'a pas le droit à l'erreur. Si Masta perd ce round, il est éliminé. Et c'est Ganon qui ira en grande finale. Ça joue de l'arc, ça zone un peu. Les éclairs de la force qui ont réussi à mettre un petit peu de vie. L'ouverture pour Masta et ça drop bêtement. La chope qui whiff encore sur le delay wake up. Non, EX Shocker. Et là, il n'y a pas de drop de la part de Ganon. Dommage que le run cancel ne soit pas passé avec l'eau. C'est pas l'overhead, il est gardé. C'est pas puni. Lightbox, le Raiden de Kung Lao qui était blessé. Superman Punch hein, après le. La téléportation électrique, pardon. Le run malgache. Ouais, le run malgache. Le run malgache de Masta. Il faut qu'il trouve des solutions. Masta, il a pas le droit à l'erreur. Il prend ouverture de garde vêtements. Il est dans le coin. Il tente une wake up. Il se fait neutral jumper. Et cette fois, le run comme celle qui passe. Ah, coup de défibrillateur. Il lui a fait péter le cœur, la tête. Et tout ce qui va avec. Les organes internes, tout ça. Ce sera donc Ganon qui affronte. Ce sera donc Ganon qui affrontera RZA en grande finale. Le schéma n'a pas changé. Je rappelle que Ganon doit faire un reset. Toujours en FE3. Avec un petit reset pour Ganondorf. RZA, fais-nous rêver, sors ton Cyber Sub-Zero. Il doit reset, t'es serein. Alors voilà, j'ai entendu dire que tu sortais ton Cyber Sub-Zero hors stream. Bravo. Merci RZA, merci. Nous on se tape le mangeur de pierre et Cyber Sub-Zero c'est pour le hors-stream, ok d'accord. Merci. Ça parle de match-up, ça joue les techniciens de comptoir. Oui c'est 5-5, tu devrais peut-être ceci, cela, je sais pas quoi. Ouais. Ça part direct, y'a pas de... Y'a pas de button check, mais je croyais qu'on jouait à MKX, y'a pas de button check. On est passé de 1 heure de button check à 0. Où est-ce qu'on vit? Et je suis rejoint par mon ami Arcade qui d'habitude de commente du Killer Instinct. Bah du coup je suis venu parce que je suis curieux. Je connais pas trop MK, enfin, j'ai regardé les vœux, je regarde les tournois, mais je connais pas trop tout ce qui est match-up, carrière, etc. Je sais que RZA a un trémor, d'ailleurs il le montre. Il est plutôt un bon trémor. Hein. Oui, un très 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 bon trémor. D'ailleurs il a bien la gueule à son adversaire. Voilà. C'est pour un gros avantage à l'énergie pour Trémor. Allez, ça va jouer à distance du côté de Raiden. Rien n'est parti sur l'ouverture de garde. Il peut prendre la diff, mais c'est lui qui la prend l'ouverture de garde. Et c'est terminé. Oh là là. Parce qu'il n'y a pas de drop du côté de RZA. No drop. Allez, vas-y, ouverture de garde directement. Il est full, full ressource, le Trémor. Et il tient bien son adversaire dans le coin. De toute façon, tu vois MKX, c'est pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut mettre ton adversaire dans le coin. Ouais, je vois ça. Et c'est là que tu fais festival. Mais ce que j'aime bien, c'est que quand je vois les setups de Trémor avec ce gros caillou qui va dans les airs et qui retourne sur son adversaire, j'ai l'impression que c'est un festival en attendant qu'il retourne. Sauf que là, il peut pas faire ce genre de setup, ouais. Il n'a pas pris la bonne variation. Ah! Mais non, il a pris la variation cristalline. D'accord. Donc, il n'a pas le petit caillou qui tombe du ciel, il a le petit caillou qui tape dans les jambes. Oui, oui. Je vois. C'est différent, mais c'est le même effet, il y a combo derrière. Donc gros avantage hein, pour RZA. On discute tranquillement parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Raiden il tente de gratter de la vie et il prend cette armor parce que RZA il connaît les trous. Oh yes mon gars, c'est tellement bien. Et c'est la brutalité.
petite pique de piano pas normal. Y'a pas de respect pour le dieu du tonnerre. Toujours pas de counter pick. Des bras faits de cristaux, j'ai envie de dire, y'a pas de respect tout court. Hein. Non, bah, les mecs boivent de l'eau fraîche, hein, qui s'aligne, tout ça, c'est des courses. C'est de la bonne variation, cristalline, c'est solide. D'ailleurs, c'est tellement solide qu'il peut se mettre une petite armor en buff. Un petit crystal wall sur le corps. Allez, le Superman Punch, hein, bien vu ce petit combo pour enfermer Risa dans le coin. Et bien vu ce duel aérien complètement gagné par Ganon, qui se paye le luxe de cancel son jumping kick par un Superman. Malheureusement, Clément a réussi à sortir du coin. Et il est en train de lui rendre l'appareil et de refaire tout son retard. Neutral jump, petit combo, activation de l'armor. Cancel du projectile, cette fois il le lance. Projectile l'eau, c'est bien gardé, malheureusement Ganon il n'arrive pas à punir. Cancel par la chop. Complètement refait son retard, c'est terminé. C'est terminé. Une fois que Trevor commence, soit tu sais où taper ou piquer, soit tu subis. Et pour le moment Ganon il subit. Et voilà, il reprend la même neutral jump, le même spring combo, la même armor à la fin. Même projectile l'eau deux fois. Dommage, hein, le DJ n'est pas passé sur la dernière backup de Ganon. Ça lui permet peut-être de s'en sortir. Bonjour monsieur. Restons polis, hein, malgré le commenting. Absolument. Ganon qui cherche ses solutions, mais il n'arrive pas, ça finit tout dans la garde. Je vous dis, Reza connaît trop bien le style de jeu de Ganon. Et il arrive à lui tenir tête, juste comme ça en fait. À force de jouer ensemble, il le connaît. Quoique là, Ganon est en train de reprendre du poil de la bête. Le run cancel, cette fois c'est pas droppé. Allez, lâche rien. Voilà. Oh là là. Il faut que je raconte des trucs négatifs pour que le mec se réveille. C'est fou, toi ça. Aussi, on te fait mentir quand tu commandes. Exactement. Ah, mais ça, c'est leur spécialité de me faire mentir. Ne t'inquiète pas, tu es pas tout seul, je vis la chose. Ah, ils adorent faire ça quoi. Dès que ça dire oui, alors ils gagnent parce que ceci, bah le mec il se fait réclamer, tu vois. C'est pas possible, l'activation de l'armor brisé par le projectile, et c'est pas grave, il la réactive derrière. Raiden casse ses 3 barres, non, il vient de breaker et il a raison de le faire. Ah, le jump in sur le whiff jab de Raiden. On trouve dans le coin Ganon, on va sortir de là. Super poke, ça touche, il y a Shop derrière. Activation de l'armor, neutral jump c'est dans la garde. Re-neutral jump c'est dans la garde encore. Ganon on trouve quelque chose. En Shop. Il suit complètement le contrôle de son adversaire, il a ses 3 barres. Il n'utilisera pas. Et il reprend la brutality qui lui fait sortir les globes oculaires. J'ai l'impression que Tremor est plutôt bien placé en termes de tier list, ou alors c'est vraiment Reza qui... Bah écoute, pas forcément, c'est un bon mid. C'est un bon mid, d'accord. C'est un mid solide. Alors après moi je pense en termes de mid low, mid high, je sais pas quoi. Non, c'est un mid solide. Il a ce qu'il faut, il a pas besoin spécialement de buff. Il a pas non plus besoin d'être nerfé. Il semble assez polyvalent quand même. Voilà. Mais non, là il est violent parce que Risa le joue depuis. C'est le perso du cœur. Hein. Oui. C'est ce qu'il m'avait dit. Je suppose que lui, on t'en a des comme ça toi aussi. Ah bah moi le premier. Hein. Bah, voilà. Les mecs ils sont encore sur Diego ou sur Cyberwolf. Voilà. Ah, moi c'est pas trop mes persos, mais bon. C'est pour l'exemple. Je parlais des Fini, tu vois. Oui, c'est vrai. Ah, là il n'y a pas de Only Real Master. C'est pour ça que j'arrive. Allez, souviens-toi l'été dernier, Ganon, là, il a pris l'interaction. C'est la violence, on est déjà à balle de match pour Tremor. Ça joue un petit peu au bowling. Bien vu cet anti-air, voilà, sur le cross-up. Bien vu, Ganon. Il n'arrive pas à s'approcher, il n'arrive pas à trouver l'ouverture, ça y est, oui, voilà, ça c'est bien puni. Le Superman Punch pour tenter de le rapprocher du coin, la run, allez, enferme-le et impose ton jeu. Quand une interaction, on s'est gardé, il attend d'activer son armor. Allez, voilà, zone-le un petit peu, le jump au-dessus du projectile, bien vu cette ouverture. Dommage, on a pu le lever derrière et il prend projectile l'eau. Heureusement, il n'y a pas eu le combo. Ganon qui se retrouve enfermé dans le coin, c'est pas bon ça. Et qu'est-ce que tu tentes de faire? Tu te fais punir bêtement et là, c'est full combo. Ça a beaucoup de setup avec le petit projectile en l'air. D'accord. Je m'étais trompé là aussi.
Et la chope. Encore. C'est encore une brutality de la part de RZA qui aura remporté cette grande finale avec 3 brutality. Au dernier ranking, nous avons eu le droit à des X-Ray en pagaille. Et bien là, nous avons eu le droit à des brutality en pagaille. Bizarre, j'ai revécu la même grande finale que la dernière fois en fait. Ouais, bah c'est ça. C'était les mêmes. Sauf que Ganon avait été un peu plus combatif quand même. Ah. Ganon avait été beaucoup plus combatif. Et RZA avait utilisé la même variation, je crois. Ouais. Ah bah RZA, lui, il change pas une équipe qui gagne. Hein. Ah, il est tout le temps en mode cristal. Il change jamais. Ah non, si, ça lui arrive de changer, mais... J'allais dire, tant qu'il gagne, il change pas. Oui, à la limite, j'avoue que... Mais en même temps, tant qu'il gagne, il a pas le choix. Il peut pas changer. À la limite, pourquoi faire compliqué, quoi. Non, quand il faut counterpick, mais là, il aura fait toute sa finale avec son Tremor. On va donc balancer du Guilty. Ah si, c'est fini. Victoire de Yuzu RZA avec en seconde position Ganon et en troisième position un petit Masta qui fait son comeback. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, le Masta. Ah, il est toujours... Ah, il nous dit qu'il est en vacances. Mais n'oublie pas qu'il y a la réunion ce soir quand même. Mais il y a quand même réunion. T'es en post-tournoi, mais tu finis troisième quand même. Et du coup, nous allons vous laisser pour du Guilty Gears. Nous passons des Amériques au Japan. Et je suppose que vous avez un commentateur. J'attends qu'il vienne prendre le micro. Parce que j'essaie de combler là, mais... Bah alors je continue de combler. Ma foi, je ne sais pas. Killer Instinct, alors... Alors Idol, craqué ou... Ah, Idol broken. Pas fini, j'avoue, il est pas... c'est vrai en plus. Il veut rien dire. Actuellement, le perso veut rien dire, c'est vrai en plus. C'est... Voilà. Si tu peux faire instant saut HP à l'infini. Donc c'est n'importe quoi. Si vous voulez vous inscrire en tournoi KI là, très vite avant le patch, jouez Idol. Allez sur YouTube, tapez Infinite. Ah mais Infinite, c'est simple, Idol. Si vous voulez faire un Infinite assez simple, qui fait très mal, qui fasse pas forcément combo, vous faites saut gros point, l'infini. Ça marche en instant, l'adversaire n'a pas le temps de réagir et vous gagnez votre match easy. Et tu peux pas dragon, il y a des dragons qui passent pas. Donc arrêtez de vous plaindre sur vos jeux quand il y a des persos un peu craqués qui sortent. Voilà un vrai perso. Voilà. C'est pas qu'il est craqué, c'est que les devs eux-mêmes ont dit on l'a sorti parce qu'il fallait le sortir, il était sur le planning. Non mais le pire c'est ça, ils ont pas eu le temps de l'équilibrer le perso. Voilà. Le patch il arrive au prochain correctif là. Donc respectez vos licences. Voilà. Voyez la peine des jeux à petite commu comme Mortal Kombat et... Une annonce à faire. Okay. Donc nous avons des annonces, mais avant l'annonce, perso, vu que je laisse la parole, je remercie la ROF, je remercie mon ami Arctal qui est là, de la commu Killer Instinct, je remercie bien entendu Rezus qui est en vacances, je sais que tu ne me regardes pas, mais je te fais la bise, et je remercie la commu Backdash.fr et tous les joueurs qui sont venus, et je me remercie moi parce que je me kiffe grave, et je vais jouer à Rock Band parce qu'on m'attend. Ok, merci Mad. Non, je suis pas Yuzu. Hein, merci Mad pour ses commentaires. Merci Mad pour ses lourds commentaires. RZA, Yuzu Clan Gaming. Je suis venu faire quelques annonces. Tout d'abord, comme vient de le dire Mad, merci à la ROF pour l'organisation du tournoi et au Reset Bar. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à Châtelet, Métro 4, Étienne Marcel. C'est un endroit super, c'est un bar rétro indé. Vous jouez au jeu rétro, vous pouvez boire vos bières, etc. Tout est bien qui finit bien. Donc là, on a un petit tournoi sympa, c'est pas mal, c'est les rankings du Fight and Fury. Parfois, il y a du Guilty, du Killer Instinct, du Mortal Kombat. Concernant la commu MK, on vous prépare de grosses choses là pour le reste de l'année. Au mois de septembre, le 24 septembre, notez bien, le 24 septembre, on lance le début des Monthly à l'école Iris, porte de Champéret, sur Mortal Kombat X et Injustice. Donc, c'est une annonce, Mad, calme. Donc, c'est le 24 septembre. Si vous voulez voir les infos, passez sur notre page Yuzu Gaming sur Facebook. Sur Twitter, Yuzu _ Gaming. Sur YouTube, Yuzu Clan Gaming, tout attaché. Et bien sûr, on remercie la ROF et Backdash.fr, ouais. On n'a pas encore les dates pour la grande ROF, ce sera sûrement en septembre ou octobre, donc va falloir attendre. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont regardés, c'est plaisir. Il y a peut-être un combo clash qui se prépare sur KI, non vraiment, il y a du lourd qui arrive. Donc les gars, restez connectés, restez peace. C'était Yuzu RZA, Twitter YG_RZA,
tout se passe sur Twitter. Et voilà, tout est là. Et un dernier conseil avant de quitter les MIC, jouez à tous les jeux de combat. Jouez à tous les jeux de combat, les gars. Faut pas sucer les jabs, faut pas sucer les caries, jouez à tous les jeux de combat. Mais oui, faut pas sucer les caries. Twitter, tout le monde. Twitter, la famille. Twitter, Mortal Kombat. Attends. Abonnez-vous au Twitter Dead Boon. Le Twitter Injustice 2. Facebook Injustice 2. Tout le monde. C'est ça, tout le monde. Bon, on va laisser l'antenne au gars Guilty. Il y a le vrai jeu qui arrive. C'est un vrai jeu Guilty. Et on va laisser la parole aux gens de la commu qui vont mieux parler que moi. Parce que moi, je connais que Chips à 9 et 4 combos. Donc ça sert à rien que je reste ici. Oh la brutalité. Alright, dog. User Riza from the User Clan Gaming. I'm here from the Reset Bar in Paris, in Châtelet et Arles. Et plutôt bien. À ce qui paraît, je connais Guilty, les jeux de baston. Hey, Arthal, viens. Hey, tu connais les jeux de baston, tu connais comment commenter. Déjà que je dose pas trop le jeu, il faudra que je commence. Personne ne dose le jeu. Non, je déconne, c'est pas vrai. Plein de gens dosent le jeu. Quand on veut de l'argent, faut aller voir Azou. C'est la base. On doit deux bières maintenant.